Avant d'entrer dans notre sujet, je demande sur toi la grâce de Dieu, la grâce de travailler. Amen. Que Dieu te donne un bon emploi. Amen. Pourquoi tu ne dis pas un bon amen? Amen. Que Dieu t'accorde de trouver un bon emploi. La première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'était le travail. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce. Amen. Avant la fin du mois. De ce mois de mai, de trouver un bon emploi. Si tu as des dossiers qui traînent, tu as déposé des dossiers jusque-là, on ne t'a pas encore rappelé pour travailler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu trouves un bon emploi. Je dis que tu trouves un bon emploi. Que la grâce de Dieu dérange quelqu'un qui a ton dossier. Qu'on t'appelle, et que tu travailles au nom de Jésus. Amen. Je te sépare du chômage. Amen. Toi qui fais un stage, ça ne s'arrêtera pas au stage. Tu dois être confirmé au nom de Jésus. Tu dois être confirmé au nom de Jésus. Bien-aimés, ceux qui travaillent ne sont pas tous plus que toi. Je demande la grâce de Dieu sur toi. Je demande la grâce de Dieu sur toi. Je demande la grâce de Dieu sur toi. Oh, Zambenangai. Ma soeur, mon frère, tu travailles déjà. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tu as perdu le travail. Ce grand Dieu, il peut encore te visiter et t'accorder mieux que ce que tu as perdu. Que le Seigneur te visite encore. Que le Seigneur te visite encore. Tu as perdu une position. Tu as perdu des choses. Que la grâce de Dieu te ramène plus que ce que tu as perdu. Oh Jésus, 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 tu travailles, mais tu n'es pas bien payé. Tu n'es pas payé à ta juste valeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle maintenant une bonne rémunération. Que tu sois bien payé. Que tu sois bien payé. Que tu sois bien payé. Au nom de Jésus. Tu travailles depuis longtemps. On t'a bloqué quelque part. Ceux qui viennent après te dépassent. Ceux qui viennent après montent plus haut que toi. Aussi vrai que l'Éternel est Dieu et que l'élévation vient de lui. Au nom de Jésus, monte maintenant. Monte. 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 Au nom de la grâce circule. La grâce de Dieu va te conduire. Là où on a besoin de quelqu'un comme toi. Oh, misale comme il passe. Ça n'a pas toi, Zozo, misale. Que la grâce de Dieu tombe sur toi aussi. Donne-moi un bon amen. Amen. Que la grâce de Dieu mette sur ton chemin quelqu'un qui cherche quelqu'un comme toi. Pourquoi tu ne dis pas amen? Amen. Que Dieu te surprenne en te donnant même plus que ce que tu cherches. Saoul cherchait les ânes. Il a trouvé la royauté. Amen. Dieu peut te surprendre. Amen. Si tu crois, tu dis amen. Amen. Si tu crois, tu montes amen. Amen. Si tu crois, tu dis un meilleur amen plus fort. Amen. Maman, tu as fait étudier tes enfants. Ils ont grandi.
avec les diplômes et tu continues à les nourrir, ça doit changer. Que la grâce de ce Dieu là que tu pries tombe sur tes enfants, tombe sur tes enfants, que tes enfants travaillent parce que misala ya bien au sepela mabonga kapia na zela ya bana na yoki ameni na yote. Alléluia! Oh Jésus! 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 Je peux visiter ton mari. Nzamba koko akoya kotala mobali na yo. Nzela mabondeli na yo. Amen. Ngole ko kwela esikazali. Amen. Pesanga meni ya makasi. Au nom de Jésus. Qui croit cela? Amen. Moi. J'étais là ce matin, il y a des gens, papa. Moi, j'étais là à la montagne 2. L'enfant est déjà né. J'ai non. Dit, ah. Moi, donc, tant on a Rosonga. Alléluia. Nous appelons l'Itatolé. Amen. Nous avons apprécié Moussa. Moussa là. Amen. Oh, oh. Vous imaginez ce qui. Zamba sopi misala ao. Globano. Bien na yebi olingi nzambe. Oh. Ro tong la bise robot na pété. Mbala moko. Model yo olingi nzambe. Globano. Oh. Ndenge na yo olingi nzambe nene na na omono. Zamba simi sombonge bele. Ameka kaka romona. Ameka kaka ko simi sombongo apesa na batu mususu. Awo. Pete la Yesu maboko. Gloire à Jésus, gloire, 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 gloire. Alléluia. Alléluia. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Meka kaka. Meka kaka. Simi sanga kaka romona. Simi sanga kaka romona. Au nom de Jésus. Sori bo simi ko bosanati. Amen. Amen. Merci. Bétera Yesu maboko. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Oh, Ezaka, alléluia, écoutez-lui. Amen. Amen. Mais Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Zambe sia sali makambu na ndenge na ye. Nous allons lire le texte. Tokotanga litangi de la montagne. Oye pesa meluso na ngomba. Nous allons juste introduire. Le lotro kota saka muke. Et demain on va entrer dans le vif. Lobi tokota na bozindo. Mais ça, c'est moi qui dis. Mais par rapport à ta foi, Dieu est déjà en train de faire des choses. Et demain ne viens pas seul. Si tu aimes quelqu'un, viens avec lui demain. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils et celui que je désire pour roi. Samuel dit, mais... comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une jeunesse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour roi, pour moi, celui que je te dirai. Samuel dit ce que l'Éternel Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés de, au devant de lui et dire, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? De
Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Hein. Alors Samuel dit à Isaïe, on voit le chercher. Chakabara Bashaya. On voit le chercher. On voit le chercher. Car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. 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 Ouin-le. Car c'est lui. Lève-toi. Ouin-le. Car c'est elle. Lève-toi. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Nous acclamons si nous acceptons. Malgré mes souhaits, ton imil le bon, ton bétis ma beaucoup à bien. Ce qui fait mes abakis, mololo, mololo, mololo. La grâce de Dieu est pour ceux qui ne répondent pas aux critères. Bon abato ba bongite. Ceux qui ne remplissent pas les conditions. Bato yo ba kokisi bikilanyon sauté. Comme on dit de l'autre côté, les gens de droit disent celui qui n'est pas éligible. Dossier n'a pas bien été. Mais maître, ma petite dossier au tangi au tangi. Dossier n'a pas bien été. Les gens bilan que belles zangi. Les critères qu'on a mis là, tu ne les remplis pas. Toi, tu ne peux pas. Et là, la grâce de Dieu va intervenir. Et quand la grâce va intervenir, on sait que ce n'est ni toi, ni ce sur qui tu comptais. Mais c'est Dieu qui t'a fait grâce. C'est ce qui va se passer. Alors, j'aimerais quand même dire un petit quelque chose sur la grâce. D'une manière générale, la grâce
Comme nous le voyons depuis le début de l'année, toutes les définitions ont été données. J'insiste juste. Après, pour montrer une petite nuance par rapport à ce que nous disons. Ici. La grâce a deux dimensions. La première dimension est la dimension fondamentale. C'est la grâce et du salut. La grâce qui nous sauve. Celle dont parle Ephésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Mais c'est Dieu qui le fait. Amen. Cette grâce dont il a également dit que toi et moi, nous étions étrangers. Nous étions sans Christ. On n'avait aucun droit de cité. On ne faisait pas partie de la famille d'Abraham. On n'était pas héritier de Dieu, ni co-héritier avec Christ. Les promesses d'Abraham ne nous concernaient pas. La seule chose qui nous concernait, c'était la sentence qui est réservée aux pécheurs. Il est écrit en effet, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ce que nous avons hérité d'Adam. Or, entre temps, Dieu s'était choisi un peuple, le peuple d'Israël, avec qui il avait une alliance particulière. Mais toi et moi n'étions pas dans son agenda, dans son livret de famille. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais Dieu nous a tant aimés, malgré cela, qu'il a envoyé son fils, son fils unique, périr, mourir à la croix. Il a sacrifié son fils. Alléluia. Amen. Afin que quiconque nani croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est passé à la croix. Il n'avait rien fait, mais il a reçu la sentence réservée aux pécheurs. Il est écrit, Dieu l'a fait pécher pour que nous soyons justice de Dieu. Donc c'est notre place qu'il a pris à la croix. Il a payé à notre place. Il a été frappé à notre place. Alléluia. Amen. Il a combattu à notre place pour nous donner sa victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crucifié. Abakami. Enseveli. Bakundiye. Trois jours après, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Son sang qui a coulé à Golgotha a fait la médiation pour nous réconcilier avec Dieu. À partir de là, Dieu maintenant, pour tous ceux qui croient en Jésus, Dieu les adopte et inscrit leur nom dans son livret de famille. Donc ceux qui ont reçu Jésus, automatiquement, selon qu'il est écrit dans Jean 1, à partir de 11 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. De devenir enfants de Dieu. Par le sang de Jésus, nous sommes adoptés par Dieu. Il y a un acte d'adoption qui a été signé. Désormais, Dieu n'est plus simplement Dieu pour toi, mais Dieu devient ton père. Alléluia. Amen. Et nous pouvons dire, Abba Père, nous qui étions loin, nous qui étions étrangers, maintenant nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Quand nous prions, nous ne prions pas un Dieu virtuel comme les religieux. Nous parlons à notre Père. Nous parlons à notre Père. Tel que nous sommes ici, nous sommes en réunion de famille avec Dieu, qui est notre Père. Nous sommes en réunion de famille. Dieu est notre Père. El Shaddai est notre Père. Adonai est notre Père. Le lion de Juda est notre Père. Elohim est notre Père. Tsukenu est notre Père. Sabaoth est notre Père. Adonai est notre Père. El Shalom est notre Père. El Elyon est notre Père. Alléluia. Yahweh Shammah est notre Père. Notre Père.
Amen. Le père, papa, il prend en charge ses enfants. C'est ça la grâce que nous avons reçue. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Jésus a fait cela, toi et moi n'étions même pas encore nés. Son sang a coulé. Tu n'étais pas encore né. Afin que, quand tu naîtras, les péchés que tu commettras, si tu crois en lui et tu te répands, la provision du sang de Jésus efface ses péchés. Il a payé les dettes que tu n'avais même pas encore eu le temps de contracter. Quelle grâce! C'est lui qui le fait à notre place. La grâce, ça veut dire quoi? Il fait à notre place. Amen. C'est Jésus qui a fait le travail pour nous en attribuer les salaires. Moutoumoussou soit sali, apesse biso litomba. Au fait, ce ne sont pas nos œuvres. Ça, c'est la première dimension de la grâce. La grâce du salut. Tite 2, verset 11 dit: la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce source de salut. Ça, c'est la première dimension qui fait de nous enfants de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Une fois que tu es enfant de Dieu, tu as besoin d'une deuxième dimension. C'est la même grâce, mais la deuxième dimension qui prend en compte tes besoins sur la terre. Tu es déjà sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais sur la terre ici, tu as besoin de la grâce pour réussir, pour trouver un bon travail, pour bien te marier, pour bien voyager. C'est la grâce qui vient te faciliter la vie sur la terre. Est-ce que nous comprenons ces deux dimensions? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est bien qu'il faut être sauvé. Mais bien aimé, on doit aussi, une fois qu'on est sauvé, on mérite aussi de bien vivre sur la terre. Et c'est ça qui fait la différence. Il y a des gens qui iront au ciel, mais sur la terre ils souffrent. Tu as besoin de cette grâce-là. Que cette grâce touche tes enfants. Que cette grâce touche ta famille. Vous pouvez être nombreux à faire la même chose. Mais c'est la grâce qui va déterminer le résultat. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est cette grâce-là. Goluanande. En plus du salut que tu as reçu, Goluanande. Tu as besoin de cette grâce-là. Goluanande. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Vous savez les choses de Dieu. Ça marche avec amen. Amen, c'est un code. Un code qui déclenche les choses dans ta vie. Ça ouvre le coffre. Dieu n'agit qu'avec ceux qui croient. Oh, amen, c'est l'expression de notre foi. Amen, je crois que ce que Dieu a dit là, c'est ça. Et comme tu crois, wow, ça s'ouvre. Je dis que Dieu t'accorde cette grâce-là. Amen. Pour mieux le comprendre. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. De trouver grâce pour quoi? Pour être secouru dans tous nos besoins. Est-ce que nous comprenons? Amen. Nous avons la grâce du salut, mais nous devons encore trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour être bien recruté. Quand on regarde ton dossier, même s'il y a plusieurs dossiers, on dit c'est toi là-bas. Même si les gens te mettent derrière, mais la grâce va faire qu'on t'appelle devant. Et c'est cette grâce là que je demande sur toi et sur ta famille. Cette grâce
qui t'ouvre les portes là où les gens ne peuvent pas passer. Donc te laisse passer. Là où les gens ne trouvent pas, toi tu trouves. Là où les gens s'aiment, ça ne pousse pas, toi ça pousse. Cette grâce là, c'est ça que je demande sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme qui est ici. La grâce qui distingue. Alléluia. Qui veut cette grâce là? Alléluia. Quand tu dis c'est moi, elle vient vers toi. Cette grâce là, ça veut dire quoi? C'est que Dieu t'a élu. Quand Dieu t'élit, il ne s'occupe pas des critères des hommes. Les gens peuvent aligner leurs critères. Il faut Azala Boye. Il faut Azala Mounen. Il faut Azala Mwamukuse. Il faut Azala Boye. Les gens regardent la forme. Mais Dieu a son intérêt. Et comme Dieu a ses propres intérêts, il voit le cœur. Il y a des gens ici que le monde a disqualifié. Mais tu as l'élection de Dieu sur toi. Et si Dieu dit que c'est toi, même si tout le pays dit que c'est pas toi, c'est le choix de Dieu qui va primer. Alléluia. C'est ce qui est arrivé dans la famille d'Isaïe. Il y avait un roi en place du nom de Saul. Lui-même aussi a bénéficié de la grâce de Dieu. Fils de Kis. Dieu a créé une histoire. Ils ont perdu leurs ânesses. Saul a cherché les ânesses pendant 3 jours. Le troisième jour, il était fatigué, il devait rentrer. On lui a dit là-bas, il y a un prophète là-bas. Il y a un voyant. On l'a conduit au voyant. Il y a des situations que Dieu provoque dans nos vies. C'est juste un prétexte. Pour que tu rencontres le voyant. Pour que tu rencontres la bonne personne. Qui va débloquer ta situation. Les années, c'était un prétexte. Dieu voulait conduire Saul vers le prophète Samuel. Il fallait créer une raison. Bien aimé, prenons cette montagne. Aussi vrai que cette parole est de Dieu, tu trouveras plus que ce que tu cherches. Je ne sais pas quel est ton dossier, quelle est la demande que tu as, mais prenons cette montagne. Au nom de Jésus, tu trouveras plus que les années. Tu trouveras plus que ce travail pour lequel tu as déposé le dossier. Si tu crois, tu donnes amen. Amen. Si tu crois, tu montes ta main. Amen. Si tu crois, le meilleur amen. Amen. Le prophète lui dit, laisse les années, elles sont déjà retrouvées. Alléluia. Amen. Le prophète l'a oint. Il cherchait les années. Il a trouvé la royauté. Tu es venu ici avec un dossier. Tu vas rentrer avec des réponses de Dieu. Même aux problèmes que tu n'as jamais posé. Et loko senga te bapesi yo. Na yo ki amen na yo te. Amen. Et loko sengi te nzamba zo pesa yo. Amen. Nzamba koleka niveau ya kosenga na yo. Amen. Akoleka niveau ya mabonde li na yo. Amen. Akokamu sa famille moko. Amen. Na zo yo ki amen na yo te. Amen. Alléluia. On n'a pas un petit Dieu. Nous avons un grand Dieu. Il avale tous les dieux qu'on connaît. Donne-moi un bon amen. Amen. Mais Saul. Saul. Il va se méconduire. Il était roi. Il a voulu faire le travail de sacrificateur. Tout ce que Dieu nous donne, c'est bien. Mais il faut s'informer sur la notice.
le mode d'emploi. Quand on te donne quelque chose, avant de sortir, demande comment ça fonctionne. Afin de ne pas faire au-delà de ce qu'on t'a dit de faire. Quelqu'un a entendu? Amen. Je passe. Alors Dieu a dit à Samuel, le prophète de ce temps-là, c'est Samuel en fait qui a amené, qui a créé cette histoire de fils de prophète, les écoles des prophètes, c'est lui, c'est ça Samuel n'a pas dit était le bana basakoli. C'était le grand prophète, il était aussi juge. Azalaki mosakoli monene pas azalaki mosambisi. C'était la référence. Azalaki esika batu sobana botale là. En puissance, en voyance, c'était quelqu'un de puissant. Rien ne pouvait se faire sans ça. Et le comment était ça la masoke le kina nzela na été. Et quand Samuel se pointe, vous-même, vous commencez déjà à vous repentir. Ce n'est pas comme aujourd'hui quand on voit le prophète, il vient raconter seulement des choses qui font plaisir. Non. Quand à ce moment, en ce temps-là, quand le prophète se pointe devant votre ville, c'est fini. Parce que le prophète, en ce temps-là, c'était un avertisseur. Quelqu'un qui sonnait l'alarme. Moto azo beta pour ramener le cœur du peuple vers Dieu. C'est pas maintenant où on voit les couleurs des chaussettes des gens et tout. Bon. Un prophète fait peur. Même le roi a peur du prophète. Amen, amen, amen. Amen. J'ai pas eu ton amen. Amen. Bénissons Dieu pour le prophète que Dieu nous a donné. Bénissons Dieu. Acclamons le Seigneur pour le prophète que Dieu nous a donné. Le visionnaire de l'armée de victoire. Dieu va lui dire, ne pleure, parce que Samuel commençait à intercéder pour Saul. S'il te plaît, Seigneur, ne fais pas ça à Saul. C'est toi qui m'as envoyé le loindre. Non, s'il te plaît. Dieu va lui dire, pourquoi tu pleures sur moi? J'ai déjà tourné la page. Vous êtes là? Amen. Mais tu tournes la page, tu vas mettre qui? Non, le banassé. Même si c'est ça là, bitumba mo ko bimakuna. Yovanda. Kimia. Amen. Makamusu nzambe ko sala. Hallelujah. Bitumba su nzambe ko permettre. Ah. Azo sala banine, ba repositionnement ya bato. Ah. Akozwa awa ati awa po ati ape oyaye. Amen. Amen. Yovanda ka kimia. Kimia. Kolobate. Mm. Ozo kangai. Amen. Si kanzamba ke na okina okay, su? Nasuka. Bobaso betana tika babe? Babetana. Na sima. Nzamba kutia oyaye. Amen. Nani ayoki? Ngai. Koloba kuna te. Ah. Ezali solo yanda kwa mena. Amen. Je vous dis, Dieu a des méthodes qui ne sont pas humaines. Nzamba zana balulenga salaka o ezaya batute. À partir d'un problème, na likambu moko, tu peux avoir une opportunité. Okozo libaku malamu na nzela likambu wana. Dieu lui dit, nzamba lovina yek. Prends la même corne d'huile là que tu avais utilisé pour Saoul. Remplis-la d'huile. Donne ça ma fouta. Va à Bethléem. Quelle est Bethléem? Bethléem, la petite ville. Bethléem ngumba boke. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de là-bas? Qu'est-ce qu'on peut avoir à Bethléem? Dans cette famille qui n'a pas de nom. Kombo. Qui peut sortir là? Nana qui on peut trouver là-bas? Nani, n'a jamais eu quelqu'un là-bas. Kuna personne n'est jamais sorti là-bas. Il n'y a personne qui soit grand là-bas. Sans histoire. Une ville anonyme. Va là-bas à Bethléem. Oh, batu batala kate. Ah. Nzambe ya komona. Amen. Samuel a pris l'huile. Azui mafuta. Mais si je vais là-bas, si Saoul apprend. Alors que ce Saoul a yoki. Dieu lui dit. Nzambe la binaye. Va dans la maison d'Isaïe. Kenen nanda kwa Isaïe. Là-bas j'ai trouvé quelqu'un. Kuna na moni mutu. Que tu vas oindre. Oyoko pakola. Comme le roi que je désire. Parce que Saoul, c'était un accident. C'est le peuple qui a refusé le règne de Dieu sur eux. Ils ont dit, nous voulons être comme tous les autres peuples. Nous voulons aussi un roi qui nous dirige comme les autres peuples. Et cela avait irrité Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, Dieu cherchait quelqu'un. J'ai dit, Dieu cherchait quelqu'un. Oh.
Dieu cherchait quelqu'un. Non, Dieu est en train de chercher quelqu'un. Il y a un problème quelque part. Dieu est en train de chercher quelqu'un. Il y a une situation quelque part. Dieu est en train de chercher une femme. Qui connaît l'histoire de Vashi? Dieu. Dieu déplace Aman pour placer Mardoché. Amen. Amen et Zanassé. Amen. Tu trouveras là-bas parmi ses fils quelqu'un que je veux comme roi. Alors il va se pointer dans la maison d'Isaïe. Amen. Amen. Isaïe lui-même n'est pas au courant. Quand il arrive, pas dit à Isaïe que Dieu m'a dit qu'un de tes fils sera roi. Non. Mais seulement quand le prophète entre dans ta maison et cherche à oindre les gens pour toi, c'est une autre. Tu dis, oh, il va peut-être oindre quoi? Prophète, sacrificateur. Donc c'est une bénédiction pour la famille. Mais personne ne sait ce qui va se passer. Dis non, viens, je vais vous sanctifier aussi. Je vais oindre. Isaïe dit, ok. Il fait passer le premier fils. Les critères, c'était quoi? Le droit d'aînesse. La préséance. Amen, amen, amen. Amen. On prend d'abord les premiers. Et des gens quand même présentables. On fait passer. Le premier c'était qui? Hein? Abinadab. 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 Yoga Kombope. Amen, 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 amen. Amen. Le prophète a failli se tromper. Quand lui aussi l'a vu, dit, hey, certainement c'est lui. Bien aimé. Dieu. Même si le prophète se trompe, Dieu ne se trompera pas. C'est pour ça que c'est Dieu qui a le dernier mot. Un prophète peut parler sur toi. Si tu vois que c'est un problème, répare la source. Fais comme Ézéchias. Tu m'as parlé, oui, mais je vais voir le Dieu qui t'a envoyé. Je vais parler avec Dieu lui-même. Amen, 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 amen. Tout n'est pas accepté. Amen. Nalobi mabe. Esaïe a dit à Ézéchiel, tu vas mourir. Il était fier de dire ça. Fais déjà le testament, c'est fini pour toi. Dieu dit, Dieu n'est pas comme ça. Dieu va me tuer, il va gagner quoi? Oh, je vais voir Dieu lui-même. Depuis quand tu es comme ça, papa? Si je meurs, ça va t'ajouter quoi? Oh papa, moti mama wate. Na nyosu ne na za oyebi kama bena sai lelo, moi atabola mu mokezo ganga pona ngai zate. Souviens-toi de moi. Kanisela ngai. Dieu dit, ah oui. Iyo. Esaïe. Esaïe. Pourquoi tu étais pressé comme ça? Quand je te dis quelque chose, au lieu même d'intercéder, tu as déjà annoncé la mort. Comme c'est toi qui as annoncé, toi-même repars là-bas. Va lui dire que je ne vais plus le tuer. Ils ont dit, oh, Nzambe abongoni. Abongoli maloba. Abongoli maloba. Ndenge Nzambe alingaka yo. Hein. Abongola maloba. Amen. 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 Gloire à Jésus. Au lieu de mourir, Dieu a ajouté les années. Dieu est bon. Dieu est ton père. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Abinadab. Abinadab. Dieu dit c'est pas lui. Ne sois pas impressionné par ses muscles.
Par ses diplômes. Par son français. C'est pas ça. Les hommes considèrent ce qu'ils voient. Mais moi, c'est le cœur. Je cherche un homme selon mon cœur. Pas les critères des hommes. Les critères des hommes n'influenceront pas Dieu. Dieu a fait un projet sur toi. Et il tient à la réussite de ce projet-là. Quelqu'un me dit amen. Amen. Après, on fait passer l'autre. L'autre, c'était qui encore? Chama. Chama. Hein? Non, pas toi aussi. Y était. Pas toi. Y était. Bref, tous les sept sont passés. Bango, nyon, so sambo, baleki. Donc, suivant les critères d'Isaïe. Il a fait passer tous ceux qui pouvaient être oints. Même les critères du prophète. Mais Dieu avait ses propres critères. Alors Samuel va demander à Isaïe. Basili, sont cela tes enfants? Il n'y a que ceux-là. Maintenant, écoutez la réponse d'Isaïe. Papa, papoyo vraiment. Il répondit. Il reste encore le plus jeune. Vous savez, quand une personne parle, on peut lire l'intentionnalité. Même s'il fait l'effort de soigner la forme, il reste le plus jeune. On t'a seulement posé la question. Est-ce que ce sont là, tes enfants, il n'y a que ceux-là qui sont passés? Non, il reste un. Mais à Baxé, il y a un qui est là. Il y a un qui est là. Il y a un qui est là. C'est-à-dire, on ne peut pas. Si c'est quelque chose de grand, on ne peut pas confier à celui-là. C'est le plus jeune. C'est un petit. Ce n'est pas à son niveau. Il ne répond pas aux critères. Il n'est pas qualifié pour ça. D'ailleurs, tu ne sais pas, prophète. Non seulement il est jeune, mais encore. Il reste encore le plus jeune, mais. Il fait paître les brebis. Si quelqu'un te parle, il te félicite. Il met la forme. Mais il finit par mais. Il a déjà annulé tout ce qu'il a dit. Donc il faisait tout pour décourager, dissuader le prophète, influencer négativement le prophète. Ha. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher. Nous n'allons pas commencer la cérémonie si lui n'est pas là. Bref, Isaïe était en train de dire, celui qui est que tu demandes là, si se présente ici, gaz. Solo, solo. Solo Abanyama. Il n'a jamais étudié. Il ne sait pas le protocole. Quand il va arriver ici, il va nous déranger, nous tous. C'est lui que tu demandes. Allez le chercher. Bien aimé dans le Seigneur. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où les hommes se sont arrangés pour t'exclure. Partout où les gens se sont arrangés pour effacer ton nom. Partout où les gens se sont arrangés pour retirer ton nom de la liste. L'Éternel m'envoie te dire. Ce temps-là, il a envoyé Samuel. Moi, j'ai traversé le fleuve. Parce que la grâce de Dieu est en train de chercher quelqu'un. La grâce de Dieu est en train de chercher un homme. Est en train de chercher une femme. La grâce de Dieu. Allez le chercher. Là où on t'avait refoulé, on t'appellera. On t'invitera. On te recherchera encore. Tu n'as pas dit amen. Là où on n'a
On avait dit ce n'est pas toi. Tu ne mérites pas. Tu n'es pas digne. On ira te chercher. On ira te chercher. On ira te chercher. Il y a un travail qui est en train de te chercher. Il y a un bureau qui est en train de te chercher. Il y a une opportunité qui est en train de t'attendre. Si tu crois, tu dis amen. Amen. Tu ajoutes amen. Amen. Tu montes encore amen. Amen. Allez le chercher. Au nom de Jésus. Pendant ce mois de mai. Au nom de Jésus. Amen. Qu'on ait besoin de toi. Qu'on ait besoin de toi. Avant c'est toi qui cherchais. Maintenant, l'Éternel est vivant. C'est toi qu'on va chercher. Le travail va te chercher. On va te chercher. Amen, 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 amen. Là où tu as déposé ton dossier, on va te chercher. On va retrouver ce dossier. Mais on a ce dossier depuis quand? Et qui connaît cet enfant? Qui connaît? Mais c'est le profil qu'on cherche. Et si quelqu'un peut le retrouver, si cette parole est de Dieu, elle n'échouera pas dans ta vie. Cette parole ne peut pas échouer. Cette onction ne peut pas échouer. On aura besoin de toi. Si tu crois, tu donnes amen. Amen. Yes. On est allé le prendre. Bah, qu'est-ce qu'on soit? David vient avec son innocence. David soit aillé bien l'autre côté. Alléluia. Amen. Et quand il se pointe, tangwa komi, même son père le regarde. Attends, 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 lié. Toi, tu commences. Yo, il y a des grandes personnes ici. Ah, bah, toi, là-bas. Le cas si makuna. Et même ses frères le regardent. Attends, bah, yanné batal. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, c'est le plus jeune. Oh, il n'a pas d'expérience. Tout ce qu'il sait faire, c'est s'occuper des animaux. Mais on n'a pas besoin de lui ici. Va là-bas derrière. Ça a bousculé le protocole. Celui qu'on met toujours derrière. Toute une réunion a été bloquée. Pour l'attendre. Il y a des listes qu'on ne pourra pas clôturer tant que ton nom n'est pas là. Je te dis la vérité. Amen. Il y a des listes qu'on ne pourra pas signer tant que ton nom n'est pas là. Je le déclare. On est loin de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sais. Amen, 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 amen. S'il faut ma bande la réunion, bako bande la. Bako bande la. S'il faut ma sala liste additive, bako sala. Nazo yo kamen na yote. Je te dis, tu es dans ta saison. Ça ne te ratera pas. Amen. Si Dieu t'a voté, qui peut t'exclure? Si Dieu t'a dit oui, qui peut te dire non? Qui peut t'accuser? Qui peut te fermer la porte? Si Dieu t'ouvre la porte est ouverte. Je parle à un David. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu va chercher David dans la forêt. La grâce de Dieu va sortir quelqu'un de la forêt. Va sortir une femme de la stérilité. Va sortir quelqu'un du chômage. La grâce est en train de rouler. La grâce est circule. La grâce est circule. La grâce est circule. Il y a un David dans la forêt que la grâce va chercher. Il y a un David dans le chômage que la grâce va chercher. Jean-Benanga. La grâce marche. La grâce circule. Un homme que le monde a oublié. Une femme qu'on ne regarde même pas. Mais tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. La grâce va te faire sortir. Mais là où on t'a mis. Mais là où on t'a plaqué là-bas. On t'a mis là où personne ne peut arriver. La grâce, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. La grâce, c'est la main de Dieu.
qui va chercher Mephibosheth à l'au-devant pour l'amener au palais. La grâce, c'est la main de Dieu qui prend Esther, esclave, étrangère, orpheline, la récupère, installe au palais. La grâce. La grâce qui prend un prisonnier pour en faire un premier ministre. La grâce. La grâce cherche quelqu'un. La grâce, c'est l'élection de Dieu. La grâce, c'est l'expression de la bonté souveraine de Dieu. Alléluia, alléluia. Ezoluka. Amen. Ezolu. Ezoluka. Ezoluka mutu moko batanga tikala kutanga komonete. Jésus. Ezoluka mutu moko batu basangana balo bayete. Ezoluka mama moko esa ina ebolamu. Oh nazo yo kamena yote. Ezoluka. Oh mon Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Pour terminer, quand David se pointe, l'Éternel dit à Samuel, tout ce temps, Samuel était assis. Mais dès que David entre, l'Éternel dit, Mouto nazako luka. Yeyo. Alléluia. Mon tout ça causé là. Yeyo. Ça ne se fera pas sans toi. Et que ça la matesse qui yo yena nouté. Ça ne se fera pas sans toi. Et que ça la matesse qui yo sawana té. On va rallonger le calendrier. Papa comme ça moulaili solongo. Nazo yo kameno. Amen. S'il faut mouiller cela. Écoutez les mains. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. Ma pinga alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais nous aussi on arrive. On arrive. On arrive. On arrive. On arrive. C'est pas fini. On arrive. On arrive. On arrive. Au rythme de Dieu. Au rythme de Dieu. Au rythme de Dieu. Yanga. Ezo utana lola. On arrive. Amen, 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 amen. Wow, wow, wow. Yem sabango tozoya. Tozoya. Ah. Les cas micolons à la mairie. Il y a mis ça, monsieur le maire, gouverneur, bourgmestre. Bourgmestre. Tozoya. Allez là, Bongisa. Bongisa, ma livrée de famille. Nazoya. Ma balle est silinano. Tozoya. Tozoya. Amen. Au salimois, tout n'est pas à primature. Oh, il y a. Ah, bah, ok, tout là-bas. Bisopé Tozo. Tozoya. Soke rate ngai go rate mwana ngai te. Amen. Tozoya. Nzela. Alleluia. 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 Tozana nzela tozoya. Tozoya. Nzela ya ngolu. Yep sabang tozoya. 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 Je vais dire à ceux qui te combattent qui n'ont pas le dernier mot sur ta vie. David a dit mes destinées sont entre tes mains éternelles. Vous connaissez mon passé. Vous voyez mon présent. Mais mes destinées. Mes destinées. Mes destinées. Mes destinées. Alléluia.
Écoute ce que Dieu dit. Tu n'as pas bien acclamé, je suis étonné. Gloire, Donc il y aura les cieux et la terre. La nuit et le jour. C'est encore possible. C'est encore possible. Ataba lobi esili. Ah. Wana batu balobi esili. Ouais. Nanyaza alpha na place ya Nzambe bonga loba esili. Azate. Nanyaza omega na place ya Nzambe bonga loba esili. Azate. S'ils ne sont pas alpha, ils ne seront pas aussi omega. Ça dit ils n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Ce n'est pas leur signature. La télécommande de ta vie n'est pas entre les mains des méchants. N'est pas entre les mains de tes ennemis. La télécommande de ta vie. T'entends. Dieu programme toutes choses selon son bon vouloir. Alléluia. Amen. Non. Les hommes n'auront pas le dernier mot sur ta vie. Laisse-moi lire ça. Psaume 89, verset 21. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme choix de Dieu. Yes. Amen. 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 Voilà, bien-aimé. Dieu lui dit, lève-toi. Ouin-le. Car c'est lui. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, c'est toi. C'est toi. Dans cette saison, c'est toi. Tu ne crois pas encore. C'est toi. Je suis comme Samuel. Il m'a dit, lève-toi. Va annoncer à mon peuple de Rehoboth que leur temps est arrivé. C'est toi. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. C'est toi, bien-aimé. C'est toi. C'est toi. Je dis, c'est toi. Je dis, c'est toi. Si tu crois, je veux que tu le manifestes. C'est toi. Tu dis, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. C'est toi. Oui, c'est moi. C'est toi. Oui, c'est moi. C'est toi. Oui, c'est moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Samuel se leva. Samuel a tellement qui. C'est toi, ma fille. Cette parole n'échouera pas. Cette onction ne peut pas échouer. C'est toi. C'est toi. Le temps est arrivé. La mise en place est déjà faite. On doit installer quelqu'un. On doit installer quelqu'un. On doit installer quelqu'un. On doit installer quelqu'un. Ton temps est arrivé. On doit te confirmer. Même si les gens contestent, même si la famille n'est pas d'accord, Dieu dit c'est toi. Même si les lois de ta famille interdisent à quelqu'un comme toi d'arriver, Dieu dit c'est toi, tu arriveras. C'est toi. Je dis c'est toi. Si tu crois, tu dis amen. Amen. Voilà, bien-aimé, ce qui s'est passé dans la famille d'Isaïe. Alléluia. Amen. Isaïe, c'était hier. Aujourd'hui,
C'est ta famille. Aujourd'hui, c'est ta famille. Isaïe n'est plus. Samuel n'est plus. David n'est plus. Mais il y a toujours un trône quelque part qui attend quelqu'un. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, le prophète pour cette montagne, c'est le révérend Gustave Mbendi. Je viens au nom du Seigneur. Je viens t'annoncer que la part de Dieu, que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Le conseil divin s'est réuni. Malgré tes défauts, malgré tes limites, même si tu ne réponds pas aux critères des hommes, mais Dieu t'a choisi. Dieu avait besoin d'un roi berger. Dieu avait besoin d'un roi berger. Un roi qui a le cœur de berger. Un roi qui supporte ses brebis. Un roi qui protège le peuple. Un roi qui peut accepter de descendre au front quand il y a des problèmes. Un roi courageux. Un roi qui a déjà affronté le lion. Qui a déjà affronté l'ours pour sauver les animaux. S'il a pris des risques pour des animaux, il défendra son peuple. L'homme est selon le cœur de Dieu. Yes. Est-ce que tu crois cela? Lève-toi maintenant. Lève-toi. Commence à apprécier la grâce de Dieu. La grâce défie la loi. La grâce défie le protocole. La grâce défie les saisons. La grâce défie l'âge. La grâce défie le niveau social. La grâce dit la grâce. La grâce. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon angai. Na niveau to komi. Esengi okota. Tozana besoin angolu na yo. Tozana moto makasi te na famille. Grâce na yo. Ekota na libota na biso. Grâce na yo. Ebimisela biso David ata moko. Grâce na yo papa. Ebimisela biso David na famille. Nanyazo bondela. Mama mobosi bondela. Isaïe moko bondela. Grâce ebimisela bino David. Ta grâce Seigneur. Ta grâce Seigneur. J'entends quelqu'un qui prie. Ta grâce. Que David sorte de la forêt. Que David sorte du chômage. Que David sorte de la pauvreté. Ta grâce. Que ta grâce nous donne un nom. Que ta grâce donne un nom à ma famille. Jésus. Prie, bien-aimé, prie. Au nom de Jésus, David, ça peut être toi-même. Où est-ce qu'on t'a mis? Tu es dans la forêt. C'est qu'on ne peut pas te voir.
Là où on prend les décisions, tu n'es pas là. Là où se font les réunions, tu n'es pas là. Tout est mis en place pour qu'on ne te voie pas. Mais la grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu va te retrouver. La grâce de Dieu est un aimant. Que la grâce de Dieu t'attire. Que la grâce de Dieu te conduise. Dis Yahweh. Yahweh. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ngolu na yo esala ngai. Ngolu na yo esala ngai. Epesa ngai kombo. Epesa ngai kombo. Ebimisa ngai na zamba. Ebimisa ngai. Elongola ngai na bobola. Elongola ngai na bobola. Elongola biso na pasi. Elongola biso na pasi. Ngolu na yo papa. Ngolu na yo papa. Ngolu na yo. Ngolu na yo. Na nyazo bondela. Ngolu na yo Yahweh. Ebimisa ngai na zamba. Ngolu na yo. Elongola Jésus, que la grâce travaille, que la grâce travaille, que la grâce opère, que la grâce opère, que la grâce fonctionne. Jésus. Ta grâce est sur cet homme. Au nom de Jésus, va le vivre, mon frère. Simbayo, grâce à l'angolo n'a pas si. Jésus, sois le David de ta famille. Jésus perdit sans toi. Oh, Yéba, Yéba. Yahweh, Yahweh, Nazana Mututé, Nazana Mututé, Nazaka Kanayo, Nazaka Kanayo, Telema, 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 Yahweh, oh mon Dieu, Yahweh, 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 Nazaka Kanayo. Nasaka kanayo papa. Nanya kolobela ngai pona dossier oyo. Nanya komemela ngai mokumba oyo. Nanya kolongola libanga oyo. Nasaka kanayo papa. Jésus. Kanayo. Que la grâce essuie tes larmes. Que la grâce te console. Jésus. Oh mon Dieu. Nazaka kanayo.
mal, bana zaka kana yo. Koti kanga ite. Zaka kana yo. Kosa na mutute papa. Il est le Dieu de ceux qui n'ont personne. Sèche tes larmes, femme. Que la grâce de Dieu te console. Que la grâce de Dieu guérisse ton cœur. Qui nous roulera la pierre? Tu trouveras cette pierre-là déjà roulée. Tu n'as pas la force. La grâce, c'est l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Les anges vont travailler. Amen. Jésus. 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 Il y aura au moins un David. Amen. Amen. Au moins un David va sortir. Au moins Esther moko kobima. Jésus. Amen. Ata mutu moko. Jésus. Ngolwe kobimisa mutu moko na famille na bila. Et comme on a que oyo nzambe mutu asali likambo. Amen. Nazo yo kamena yote. Amen.
y a ce que les hommes peuvent faire. Mais il y a un niveau moussoussou. Jésus. Au monde, il y a un niveau moussoussou. Amen. 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 Jésus. Non, y'a zot allé l'angolo. Amen, ngayo yo. Cette grâce guérit en même temps les gens. Ngolo ezo piki sanangonga moko. Marc. Cette grâce. Ngolo yo. Met les enfants. Dans les ventres qu'on a déclarés stériles. Namabumo baloba e kauka e botaka. Pourquoi tu ne crois pas? Moi, non, Aliboso. Moi, non, Ayo Moko, Aliboso. Oh. La grâce. Ngolu. A trouvé une vierge qui n'a jamais connu d'homme. Elle est tombée enceinte. Jésus. La grâce est allée trouver une femme ménopausée. Elisabeth. Elle est tombée enceinte. Qu'est-ce que la grâce ne peut pas faire? Tu peux compter sur la grâce de Dieu. Yoko tie langolu motema. O tale la batebele simbate. Tomola miso tai langolu. Golu. La grâce. Golu. Rend la stérile fertile. Ezo komisa mosi e komba komi na makoke kobota. La grâce des jumeaux. Ngolu azui pe ngolu mapasa bakoti. Reçois cela. Zwa yango. Reçois la grâce des jumeaux. Zwa ngolu kobota mapasa. Reçois cela. Zwa mapasa. Rebecca a attendu, elle ne pouvait pas concevoir. Rebecca, c'est là qu'est-ce qu'on va porter. Quand Dieu l'a visité, c'était des jumeaux. Et là dedans, il y avait Jacob. Jacob est sorti après. Et Dieu l'a placé devant. Qu'est-ce que la grâce ne peut pas faire? Nous acclamons la grâce de Dieu. Acclame la grâce de Dieu. Que la grâce change cette situation. Maintenant même. Au nom de Jésus. Montagne Isaïe. Amen. Amen. Quatre montagnes Esaïe. Tant au bimant wa yeba que nzamba voté yo déjà. Amen. C'est toi. Moto ango Esaïe. Soke Esaïe beta maboko ya moto nzamba aponi. Beta maboko moto bande ko cela. Ozo beta maboko bien bakisa molo. Maboko ane sanase. Beta. Les annoncés. Au comité beta, ma boko David à Libota. Ma boko en est annoncé. Beta, beta, ma boko yende ma poni. David à beta, ma boko yende ma eko luka. Même ceux qui nous suivent à la télévision, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, la grâce de Dieu vous touche. La grâce de Dieu vous touche. Vous vivrez ces choses. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant, notre Dieu. Amen. Demain, lobby. Amen les gens. Mema batoa. Si tu aimes quelqu'un, soko lingaka mutu. Yakanaye. Bengi saye. Lobi to kota sikoyo na ndenge grâce kota kama kambo ya catégorie na catégorie. Amen. Ozoyo kangaye? Amen. Obiki déjà, comme on est na buku ya bon moi, mais vie na yo fait bonga. Eh bonga. Oh. Na nzambe ya munene vie malonga teli kambo nini. Oh. Na ozoyo kangaye? Amen. Osakana bilaka ebele.
Isaac au Sénaka au Comartango et à grâce. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. C'est le temps de la réponse de Dieu.